Ok les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rester sur la vidéo parce que j'aurai besoin de vous. J'ai un petit problème justement avec ce casque là. Du coup, n'hésitez pas à rester sur la vidéo, c'est très important. J'aurai besoin de vous. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. À tout de suite. Ok les gars, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Du coup, j'avais acheté un casque vraiment, vraiment pas cher. Je sais pas si vous connaissez le magasin Nose, mais j'avais acheté un casque là-bas. Vraiment, le casque il est vraiment pas cher. Je l'ai acheté 10 euros. Il y a même encore l'étiquette, tu vois, 9,90 € pour un casque comme ça, tu vois, avec casque LED, machin, truc chouette. Et du coup, je l'ai acheté. Et on va faire l'unboxing aujourd'hui. Et après l'unboxing, je vais vous faire montrer un truc que je galère à faire. Du coup, juste après l'unboxing, n'hésitez pas à rester sur la vidéo, c'est très important. Du coup, on va passer à l'unboxing. Je l'avais déjà sorti, pardon. Du coup, le carton, on va le jeter. Et on va passer au casque. J'avais déjà le casque, je l'avais déjà déballé hier et tout pour regarder si c'était bon. Du coup, hop. Tac. Ça dégage. Et du coup, on a des câbles, plusieurs câbles. Et le casque, ça donne comme ça. Hop. Et ça donne un truc du genre comme ça. Du coup, voilà. Du coup, quand vous le branchez, au niveau des ronds qu'il y a ici, ça fait des LED rouges. Et du coup, le câble, il n'est pas directement. Vous sentez pas le truc directement gris. Il y a un truc plastifié autour. Du coup, c'est bien protégé. C'est vraiment. Le câble est très bien protégé. Du coup, voilà. Vraiment, au niveau du son, il est très bien. Mais le problème, justement, comme il y a trois câbles. Vous allez me dire, on va dire, vous pouvez le connecter, pardon, vous pouvez le connecter sur la Play ou sur votre PC avec les deux câbles là. Mais le problème, je vais vous faire montrer, quand vous le branchez sur la Play, attendez, hop, quand vous le branchez comme ça, le casque il s'allume, tu vois, normal. Et tu vois, quand vous allez dans les paramètres, hop, dans la logique, tu vas dans périphérique audio. Là, dans déjà là, on va dire, il le détecte même pas dans les trucs de sortie. Et quand tu vas dans périphérique entrée, tu vois, il ne le détecte pas. Du coup, vous allez me dire, bah, tu n'as plus qu'à acheter un adaptateur pour mettre ces deux câbles-ci. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je vais brancher l'adaptateur et on se retrouve juste après. Ok les gars, du coup, une fois que j'ai branché l'adaptateur, tu vois, il y a les deux câbles de branchés, plus là-bas, tu vois. Et le fil vert est relié à ma manette. Du coup, là vous pouvez pas me dire qu'il est pas branché, tu vois, il est branché à la manette. Il y a les deux câbles de connecté plus sur la Play. Et quand on va dans les périphériques de sortie, ça c'est bon, casque connecté à la manette. Mais quand il y a le périphérique d'entrée, tu vois, il veut pas me le détecter. Du coup, c'est le problème en fait. Dans le casque, j'ai tout le son et tout. J'entends les gens, mais je peux pas parler aux gens. Les gens n'entendent pas. Pourtant, j'ai bien mis sortie vers le casque tout audio. Du coup, je comprends pas pourquoi moi je peux pas parler aux gens. Pourtant, toutes les câbles sont branchées. Je me suis pas muté ou quoi que ce soit. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi je peux pas parler aux gens. Il y a tous les sons et tout, il y a tout qui marche sauf ça. Pourtant, j'y mets un adaptateur et tout, tu vois. Du coup, je sais pas. Sans le casque qui marche bien et tout, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais je sais pas du tout.
Du coup, voilà, c'est une vidéo pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et ciao ciao.